Alors, lors du dernier épisode, on s'était fait déglinguer la gueule par ce puzzle de merde. Et on y est enfin arrivé. Fils de chien. Salut tout le monde, ici Sneak Toot de retour avec Onimusha 2. Lors du dernier épisode, on avait capitulé face à ce saloperie de boîte puzzle. Et croyez-moi bien, j'y ai passé au moins une putain de demi-heure. Rien que ça, mais on a réussi. D'où Jésus, on a réussi. On peut continuer les aventures tranquillement. L'esprit tranquille. Il me faut le Senpumaru. Alors, Senpumaru. Ouais, bon, on fait le chemin à l'envers, en gros, hein. On fait tout simplement le chemin à l'envers. Vous vous souvenez, c'est la fin de la zone. C'est la fin de la zone pour... C'est la fin de la zone pour Magoichi, mais le début de la zone pour nous. Oh, n'importe quoi. J'ai Hisen ce connard. Et je l'ai re-Hisen encore une fois. Rien ne m'arrêtera. À faire le chemin à l'envers, on va voir si on trouve pas des petits villageois à dépétrifier. Ça serait bien. Voilà, merci. Fils de... Non, non, j'arrive. Vous en faites pas. J'en faites pas, les gars, j'arrive. Voilà, je vous avais dit que j'arrivais. Je vous l'avais dit que j'arrivais, je vous l'avais dit. Bon, on a eu Kotaro, on a eu Oyu, on a eu Magoichi. Il reste plus que Ekei. Le cher Ekei. Oh putain. Oh. Mes boules, Onimusha. Oh putain, merde. Ah bah je vais les avoir, mes boules, Onimusha. À nous deux. Allez, vite, 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 vite. Dommage que cette transformation, elle dure vraiment pas longtemps. Ça aurait été bien de pouvoir améliorer la durée de la transformation. Ça aurait été le top du top. Mais on peut pas tout avoir. C'était complètement involontaire, mais... J'accepte. Ah, il y a monsieur ici. On va le sauver. J'essaie de m'échapper. Prends ceci en gage. Merci pour ton gage. Vous m'emmerdez, puissance 1000. J'ai vraiment pas besoin de vous tuer, mais vous avez des sales gueules, alors... Et puis les boulons Onimusha peuvent toujours servir, c'est vrai. Allez, bye. Ah, rien ne sert de courir comme des dératés. Aou. Allez, goodbye. Oh là là, on a bientôt 40 barres. C'est pas possible, si seulement on les avait eu bien avant, toutes ces barres.
Ça, c'est pas très gentil. Ah! Oh non, ça c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. J'aime pas être coincé dans un coin comme ça. Pas bon du tout, on se casse. Voilà, casse-toi. Et toi, je vais te hisser. Oh, quoique. Allez, bye. À moi la boule. C'est par ici qu'il y a un mur, genre on dirait qu'on peut le casser là. Vous croyez que je peux utiliser le grand sel ici? Enfin le sel, le... Non, on peut pas l'utiliser ici. Il nous faudrait genre de la dynamite ou quelque chose dans le genre. Peut-être qu'un des villageois pétrifiés qui peut nous donner cet objet. Allons voir. Putain, quoi. Oh, vous savez quoi? Je me casse plus la tête. Ouh, que ces zones me cassent les couilles. Allez, bye! Allez vous faire enculer. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Les ennemis deviennent de plus en plus balèzes. Bon, allez, toi mon ami. Voilà. Vous l'utilisez, prends-le. Médicament. Et le dernier, qu'est-ce qu'il a à nous donner? Bon, ok. Bon bah voilà, je pense qu'on a bien exploré la zone. On n'a plus rien à faire ici. Si si, il nous reste lui là. Il nous reste le copain là. Allez, qu'est-ce que tu vas nous donner? Rien du tout. Oh, va te faire connard. Bon, ce fut ma foi très instructif. Vous me direz, ça a été complètement inutile. Non, je ne suis pas d'accord. Mais on va quand même se soigner parce qu'on n'est pas bien. On a deux herbes en plus. Voilà, là, c'est déjà un peu mieux. Buraito, mon cher Buraito d'amour. Et on n'a toujours pas trouvé l'arme secrète, bordel. C'est une épée, les gars. C'est une incroyable épée. Certains diraient l'arme la plus puissante du jeu. Oh, Oyu! Oyu, c'est toi? Thank you. Get ready. Oh, ça va chier pour vous, les gars. Ça va chier pour vous. Allez, Oyu, on n'a pas que ça à foutre.
Allez, dans le fion. Dans le fiac. Dans ton gros fiac. Et ça, ça fait plaisir. Nous touchons au but. Je me demande si avec le marteau, ça, on peut casser. Jusqu'ici, il a été très décevant, ce marteau. Ah ah ! Je retire ce que j'ai dit. Il est très bien, ce petit marteau. Hé là ! Comment oses-tu ? Putain, ça a été vite. Ma chère est tendre. Are you all right? Yes, I'm fine. Or you? Jubei. Petit rapprochement. Tout ce qu'il a fallu, c'était un démon. Elle avance bien leur petite histoire d'amour, hein. Mine de rien. What? Ah d'accord. Bah c'est pas moi qui vais dire non, hein. Sûrement pas. Est-ce qu'on a quelque chose à donner à Oyu? Champignon unique. On peut tester. Si jamais on lui donne une fleur pour qu'elle oublie. Play with me. Pardon. Play with me. Elle est droguée. On l'a droguée. Why are you staring at me? D'accord, merci. Super. Ouais, ça c'est pas pour nous. Est-ce qu'on va avoir un autre passage avec Kotaro? Il y a des grandes chances. Une source magique. Un livre. Calendrier de chasse. Recrutement pour Shingen Takeda de la province de Kai. Date prévue mars 1573. Calendrier terrestre. Les participants recevront un bonus spécial de 500 cadavres humains. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la pleine lune de février. Jusqu'à ce que la liste soit complète, voici un calendrier provisoire qui suivra la chasse à Takeda. Out, château des Shizen, Odani, temple d'Ishiyama Angen, Kishu Saiga, Issei Nagashima. Ce calendrier est susceptible d'être modifié en fonction des résultats de la chasse. Blablabla. Bien organisé, les enfoirés, hein. Bien organisé. Vous vous souvenez, ici, on avait combattu l'espèce de démon insecte dans le premier jeu, dans cette zone-là. D'ailleurs, il y a encore des trucs dégueulasses, hein, ici. Allez. On se casse pas la tête. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque. Et on a tout déglingué. Encore une fois. Allez. Vous êtes nuls. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autres XP encore, hein? Je crois pas. Moi, je dis allons-y. Oh, les copains. Allez, un au moins. Et deux en moins.
font clairement pas le poids. Oh! Dessin numéro 13. On a un livre jaune, un livre rose. Commençons par le livre rose. C'est peut-être Gentai. Statue d'adoration. La statue d'or maléfique a été achevée aujourd'hui. Elle se compose d'environ 6000 tonnes d'or. Lorsque j'ai pris pour la première fois connaissance du projet, je n'ai pas compris pourquoi le seigneur Nobunaga voulait cette statue. Maintenant, je comprends et je sais que la statue émet une dignité qui poussera tout le monde à la vénérer. Cette statue témoigne de la supériorité de notre seigneur Nobunaga. Alors que Fortinbras avait tenté de dominer les humains par la force, Nobunaga a compris que le culte est autrement plus puissant. Grâce à cela, nous avons pu profiter de leurs rites et de leurs sacrifices. Cette statue nous permettra de pousser encore davantage les hommes à offrir des sacrifices. Le seigneur Nobunaga est un génie. C'est vrai, il était très intelligent. Fortinbras, bah oui, paix à son âme. Bien que le seigneur Nobunaga ait été tué à Okehazama, il a ressuscité d'entre les morts grâce à la puissance des démons. Avec l'aide de Fortinbras, Nobunaga a tenté d'exterminer le clan Saito de la province de Mino, mais le guerrier Oni Sawanosuke Akichi a contrecarré ses plans diaboliques. Lorsque le roi des démons Fortinbras a trouvé la mort au château d'Inabayama, les projets de Nobunaga semblaient à jamais compromis. Personne n'aurait imaginé que Fortinbras serait vaincu, mais Nobunaga a sauvé le monde des démons. Même si Nobunaga n'était qu'un humain, le choix de Fortinbras s'est avéré judicieux puisqu'il a remis de l'ordre dans ce chaos, puis est devenu le roi des démons. Nobunaga a détruit le clan Saito de la province de Mino et s'apprête désormais à conquérir tout le pays. Et ça, c'est pas bien. Pas bien du tout. Oh, les pauvres. Attendez, on va vous sauver. Voilà, on avait quand même besoin du tube de grande poudre, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, je pensais que personne ne viendrait à mon secours. Nous habitions ici avant, par curiosité, nous sommes revenus nous faire... Ouais, blablabla, les gars, hein, franchement. Je vous félicite pas. What the hell? Oh non, pas encore. Non. Ouais. Non. Non. Ouais. Non, attends. Ouais, voilà. Comment je vais faire pour passer le tout dernier là-bas? Non, non. C'est l'inverse de ce qu'on doit faire là, ici. Non, on va faire comme ça, ouais. Non, l'inverse. Voilà, c'est bon. Beaucoup plus simple que l'autre, hein, celui-là. Mine de rien. Oui, engage-toi. Lieu sacré d'Eoni, la mare de sang. Miam, 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 dis donc. Il y a un petit bouillon en train de cuire. Liquide spécial M. Oh, on est vachement bien au niveau de toutes les ressources possibles. Bye. Allez, viens là. Adios. Carte du lieu sacré. Magnifique cette zone, j'aime beaucoup les décors de cette zone. Wow. Ah.
Mais pas par ces petits mobs de merde quand même. Les petits mobs de merde là. Attaque un peu pour voir, j'ai dit. Voilà. Et là, ça va chier pour vous, les gars. Allez, au revoir. Au revoir. C'est bon, vous avez eu assez? Bon carnage quand même, hein. Je sais plutôt par où aller ici. Par là, maybe. Oh là là, c'est quoi ce labyrinthe? Ah! Mais quel connard! Quel trou de balle! Voilà, adieu. Non, j'ai l'impression que ça c'est la bonne route. Oh, encore? Voilà, bye. Allez, c'est bon, hein. Ouais, ça c'est le bon chemin. On va essayer de prendre un autre chemin que le bon chemin. Et genre par là, non? Ah ah! On a bien fait. Bon, c'est qu'une herbe, hein, mais bon. Est-ce que ça se refuse? Non? Copain. Et par là, y a quoi? Oh putain, c'est ça ma récompense. Oh oh, what the fuck? Ouh, doux Jésus. Oh putain les gars, oh putain. Ah bah non, c'est la merde. Oh putain les gars, oh putain. Attendez. Attendez une seconde. Oh, doux Jésus. Ouh, ça doit être en 4 mouvements. Ah ben bordel, quoi. Ouais. Non. Non, pas du tout. Ouh, il est compliqué celui-là encore, hein, pour changer, hein, pour changer. Ah, c'est la fin du monde, ces trucs. Ok, ça, on peut bouger. D'accord.
Ok, attendez. Ah bah on n'a rien fait du tout. Il nous manque quand même les deux morceaux là. Les deux morceaux problématiques, c'est... Ouais, c'est les deux là, ouais. Wait une seconde. Ouais, parce que du coup, la partie du dessus, comment est-ce qu'on la bouge? Putain. Ah, c'est un beau bordel, hein. C'est un très beau bordel. Je vous le concède. Ça, je peux pas le descendre maintenant. Ça, par contre, je peux faire ça. La partie... centrale basse, c'est la partie... Ouais, c'est ça qui pose problème. Vous voyez, c'est ça qui pose vraiment problème. Ouais. Je commence à comprendre plus ou moins le layout. Mais ça m'aide quand même pas à sortir de son bourbier. Bon, attendez, j'essaie de réfléchir. En quatre coups. Quatre coups, bordel de merde. Attendez. Non. Bon. Ok, ça va. Ouh, mon cerveau est en ébullition totale. Ébullition totale, bijou de magie. Alors, j'utilise le bijou de magie. Attendez, je fais une petite pause, on m'appelle. Ouais, mon cœur, je suis en plein enregistrement, dis-moi. Ok, désolé, bébé, je savais pas. C'est pas grave, je peux te rappeler ? Oui. Ça va, bisous, je t'aime. Alors, désolé pour cette petite pause. Bijou de magie. Bon, on va revenir. On va pouvoir continuer la zone. Par là. Par là. Et adios. Ah, il faut l'activer, merde. Ah bah heureusement qu'on a de la magie, hein. Équipé. Senpumaru. Merci. Alors. Qu'est-ce que c'est ici? La clé rouge qui sert à je sais pas quoi. Il y a un dessin là dans le tas. Prends le dessin. Voilà, super. La musique devient de plus en plus sérieuse. Clé rouge. Où est-ce qu'on peut mettre cette clé? Ah, vous voyez, c'est communicant, mais oui, mais totalement. Ah, la clé rouge, je crois bien savoir où est-ce qu'elle va. On va revenir en arrière. Ah, on les tue ou on les tue pas?
On les tue ou on les tue pas? Calme-toi, calme-toi. Allez, go. À mon avis, la clé rouge, elle va dans la statue tout en bas, là-bas. Donc, on n'avait jamais trouvé quoi mettre dans cette statue. C'est d'office ici. Ah ouais. Vous voulez gâcher mon moment. Aïe. Vous allez pas gâcher mon moment, je vous le dis. D'office c'est ici. Objet. Clé rouge. Non ? Non, c'est pas ici. Bah enfin. Bah alors c'est où cette petite clé rouge là ? Mais j'ai pas d'orbe. Enfin si, j'ai des orbes mais j'ai pas l'orbe que tu veux quoi. Ouais, j'ai bah non. Ah bah je vois vraiment pas les gars. Bon, c'est pas grave, on va visiter. Ah non, je suis bête, c'est dans le laboratoire de Guildenstern. Mais oui, suis-je bête? Bon, on va vite y aller. Mais oui, c'est sûr, c'est clair, c'est au laboratoire de Guildenstern. Et c'est bien par là, oui, c'est bien par là. Ah, on va foncer, hein. On va foncer. Ouais, je me casse pas la tête, on va pas déglinguer les ennemis. Hein. Allez, hop. De toute façon, on est invincible pendant l'animation. On est complètement indestructible pendant cette animation. Aïe, aïe, aïe. Oh, que je vous hais, les archers, que je vous hais. Avec plaisir, on recharge notre magie et je parie que c'est ici que ça va. Bah oui, d'office, sûr à 100%. Yes! Yes! Passons la porte du destin. T'as déglingué des démons gigantesques et tu te fais avoir par ce petit nain de jardin. Ouch. I can't protect you if you keep defying our lord. Here. Ah bordel. De retour dans des souterrains à la con. Génial. Il y a toujours un plan pour tout ce Tokichiro, hein, salopard. Are you all right? C'est un peu la merde. «
C'est encore un peu plus la merde. What is it? Jubei. I have to go back to Odani Castle. Ah ben là, t'es mal barré pour y aller, ma grosse, hein. Jubei. Hi. Moment émotion. Qui est en train de jouer du mandoline? Actually, Oyu is not my real name. I am Oichi. Oichi? Oh. You mean that Oichi, wife of the Lord of Odani Castle? Nagamasa Asai? And the sister of Nobunaga? Oh my god! Ça, putain, c'est une révélation! After I got married 2 years ago, I learned that my husband had 3 daughters. Oh là là, cucked par Nobunaga! His past wife. I felt betrayed. I wanted to leave. But I learned that my brother Nobunaga was trying to ruin the Asai clan. Once I became a member of the Asai family, I thought I should stop my brother. So I went to Gifu Castle and tried to take his life. C'est discutable, mais... J'aurais fait la même chose. That's when I met you. After that, nothing else mattered to me. Only you. Dit-on. Calme-toi, Oyu, calme-toi. Admit that I'm being selfish. You said that your mother is your mother, no matter what. Blood or no blood. My 3 daughters are waiting for me. Ouais, d'accord, les filles, ok, mais Nobunaga, on s'en bat les steaks. I have to return. Oh, les larmes sont pas au bon endroit, Oyu. Tu pouvais te déplacer légèrement sur la gauche. Le bisou, le bisou, le bisou. Hey! Oh, connard! Oh, connard! Here we go, Jubei. It's game over for both of you. Ça fait mal au cul parce qu'il appuie sur le bouton trop fort. Oh, que quelqu'un vient de nous sauver. Eh, hey, dis donc, on a survécu à ça. Chouette. Bon, bah on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Hein. Merci tout le monde de m'avoir suivi, c'était Sneak Toot avec Onimusha 2. Et au prochain épisode, on va continuer d'avancer vers Nobunaga. On n'arrive pas loin de la fin du jeu, on y est presque. On a vu la partie suivante ou non, deux parties. Quoi qu'il en soit, je vous dis à demain et je vous fais à tous des gros bisous. Ciao !